Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je me fabrique un gabarit pour la fabrication de tenons mortaises. Allez, c'est parti! Bien, pour ce gabarit, vous allez avoir besoin polycarbonate, 10 d'épée, une défonceuse ou une fraise, bague à copier de diamètre 24 et une bague à copier de diamètre 40. Tout ceci avec une fraise de 8. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Là, j'ai démarré. Je vais tracer sur ma plaque et on fait l'usinage. Bien. bon, comme vous avez pu voir, ça y est, la platine, elle, elle est usinée. Donc vous avez vu, ici, lumière de 42, de large, 40, ça va me faire une rainure de 10. Donc je n'ai pas encore fait les butées. J'ai serré mon système, je regarde, ça pivote bien, etc. Je vais venir, comme ça, je peux venir ici, si je veux à fond, serrer une pièce. Là, ce que je vais faire, je vais faire un premier test pour voir si je vais dans la bonne direction ou si je me suis planté. Comme ça, après, on continuera l'ensemble d'aménagement sur ce support. Allez, on fait le premier test. Bien, bah écoutez les amis, ça me rassure. Comme vous avez pu voir, c'est bon, j'ai pu usiner. Donc, vous avez vu, je suis venu faire la première rainure avec la bague de 40. 42 pour l'entrave, donc du coup, j'ai bien mes demi-millimètres de jeu. Je me retrouve avec une fraise de 8, une rainure de 10. Et ensuite, je suis venu avec l'autre bague à copier ici. Je suis venu faire le tonneau. Alors, vous avez bien compris, hein? J'ai pu faire que cette forme-là parce que mon gabarit, comme ici, elle fait 40. Si j'additionne l'ensemble, je peux faire jusque des tenons, ici, de largeur sur une pièce qui fait 26 mm. 8 mm de fraise, 8 mm de fraise, 10 mm de tenon, 26 mm. mais ce n'est pas grave s'il y avait plus épaisse. Moi, je voulais un gabarit quand même. Vous avez vu, il se règle automatiquement sur le milieu de la pièce. Mais je voulais pouvoir prendre de grosses pièces pour faire des faux tenons sur l'ensemble des grosses pièces. Et ben écoutez, là, je suis ravi, je suis sur la bonne voie. Donc maintenant, ben, tout le système de bridage de la pièce, les guides, les butées, et comme ça là, on fera vraiment des vrais tests sur une pièce 25 mm. Allez, c'est reparti. Bien. Bon, comme vous avez pu voir dans la vidéo, ça y est, les réglages, c'est terminé. J'ai fait mon premier test, vous avez vu. Je suis venu usiner ici la première lumière. Et ensuite, je suis venu, donc, la mortaise et le tenon. Ça, ça sort super bien. Ici, je viens le mettre dedans. Je suis vraiment en fleur. Je suis en fleur en haut. Bon, là, c'est sur du brut, hein. Mais quand je mets l'équerre, je suis en fleur de cette pointe là Ce n'était pas coupé bien droit. C'est pas grave, c'est pour laisser. Le truc qui me chagrinait, je vous le dis franchement. J'arrive, je viens en butée, hop, j'usine la première. Je viens usiner la deuxième. La deuxième, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je règle mes butées supérieures. Là, pour moi, ça ne me va pas. Ça ne va pas, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis, bah, tiens, donc j'avoue, j'ai laissé quelques temps. Hein, ça fait une semaine que j'ai fait ça. Je me suis dit, bah, pourtant, mes calculs, j'ai fait le calcul de la bague, j'ai bien le diamètre de la fraise et je ne comprenais pas. Là, j'ai peut-être un début d'explication. En fait, j'arrive. J'usine, je passe ma douille, je passe la douille en dessous, et c'est là que je dois régler. Là, je me dis, il y a un problème, je dois régler les butées qui sont ici. En fait, je viens m'appuyer là-dessus ou là-dessus. C'est pareil, vous voyez, ça vient dedans, je m'appuie là-dessus. Elle est là, l'erreur. Pourquoi Bague à copier. La bague à copier, on doit toujours utiliser l'intérieur. Donc, c'est bien ce que je fais. Dans ce sens-là, donc là, il n'y a pas de souci. Dans ce sens-là, j'ai bien ma réunion de 10. Et comme je prends l'autre côté, je viens dessus, je viens dessus, j'ai bien la largeur de mon tenon qui fait bien 10 mm. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'autre sens, je suis là-dessus. Je pense avoir compris. Je fais mon modif pour que justement mes butées viennent toucher sur le diamètre de la douille, ici. Allez, je pense que je suis sur la bonne voie. On refait un essai et on verra ça ensemble. Bien les amis, ça y est, enfin, après pas mal de modifs quand même, pas mal de galères, mais bon, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Alors, vous avez vu, j'ai dû refaire une douille quand même, hein. j'ai dû refaire une douille avec le même appui, mais plus grande que la petite douille que j'avais. Pas grave, mais vous voyez, on arrive, j'arrive avec la grande douille, je fais ma rainure ici de 10 mm, je prends, j'usine, donc je viens bien justement venir en butée sur cette face-ci. Je prends la deuxième. Là, le principe, c'est qu'il faut venir tourner autour du bout de bois pour faire le tenon que vous voyez ici. Donc, il faut faire très attention, on vient bien contre les guides de chaque côté. Le tenon étant fabriqué, je casse juste les quatre arêtes. Et là, j'arrive, je viens emboîter ma pièce dedans. Et je suis vraiment à fleur de chaque côté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des Bébois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qui vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.